Hey Matelot, ici Défroid pour aujourd'hui une petite vidéo sur une petite maison avec une petite piscine et tout ça, tout en petit aujourd'hui. Voilà, sur une maison dans un style complètement différent de celui qu'on fait d'habitude. Là on fait vraiment dans un style très cubique, très moderne toujours bien sûr, mais dans un style très différent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo, et surtout aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire aussi les styles de construction, les idées de construction que vous voudriez vous-même voir en tutoriel sur la chaîne YouTube. Comme ça, ça me permet d'avoir des idées, voilà, de l'inspiration. Voilà. Sur ce, on va commencer le tuto tout de suite. Ok, voilà ce que ça donne sans les shaders, n'est-ce pas? Hop, pour réaliser cette maison-là, vous aurez besoin de tous ces blocs-là, je vous les donner, hop, ainsi que leur quantité et tout ce dont vous avez besoin. Ok, hop, une fois qu'on a ça, je vous invite à réaliser ce pattern là au niveau du sol pour pouvoir commencer les bases de notre maison. Hop, pour ça il vous faut vous munir de blocs de quartz lisse et de mettre une première ligne ici de blocs de quartz lisse de 6 blocs en longueur. Ok, donc de là à là. Arrivé ici, on met juste un bloc sur le côté, on met un trou de 3 blocs. On en remet deux ici comme ça. De ce bloc là jusqu'à ce bloc là, on a 9 blocs en tout. Ok. De ce bloc là, hop, jusque ici. Donc voilà, je remonte hein, de là à là, on en a 5. D'accord. Ici, jusque là, on en a 4. Ici, ici et ici, ça fait 3 blocs hein, tout simplement. Ok. De là jusque là, on en a 4 aussi. Ok. De ce bloc là jusqu'à ce bloc là, on en a 15. Ok, tac tac. Entre ce bloc ici, hop, et ce bloc ici, on en a 2 3 4 5. D'accord. Et entre celui là youp, et ici, on en a 12. Normalement vous devriez avoir ça sous les yeux. Ok, c'est nécessaire pour la suite bien sûr. Hop, j'enlève mes petites pancartes, pouf, 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 pouf. Et maintenant, on va mettre vraiment la structure du bâtiment en place. Ici, là, sur notre... on va commencer par cette pièce-là. On va la monter à 7 blocs de hauteur. C'est-à-dire que les blocs ici, comme ça, on va monter à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs. Ok, ça va être la même chose pour tous les blocs ici, comme ça. Ok. Pareil ici. Hop, ok. Jusque là. Voilà, donc on va mettre le toit aussi en place. Arrivé ici sur l'ouverture à ce niveau-là, on va laisser 3 blocs de hauteur ici comme ça. Et à partir du quatrième bloc, on va boucher. Ok, comme ça. Et évidemment, on rebouche. Hop, 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 ici aussi au niveau du plafond, hein, tout simplement. Hop, classique, classique. Hop. Voilà. Ok, on a notre première pièce. On va venir mettre une deuxième pièce ici. Donc là, ce bloc-là, on va mettre 5 blocs de hauteur. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok, sur toute notre surface ici du mur. Ok, hop. Hop. Ici, pareil. Youp. Et là aussi, jusque là et jusque là. Hop, ok. Une fois qu'on a ça, on va venir mettre des blocs comme ça et comme ça. Ok. Et on va venir reboucher ici. Mais pas complètement. On va venir mettre en réalité, hop, des blocs comme ça. Alors, si je me souviens bien, on va faire ça comme ça. Youp. Voilà, on va laisser un trou de 3 par 3 à l'intérieur, hein, vous voyez, comme ça, en plein milieu.
et le reste on rebouche. Hop, ok. Une fois qu'on a ça, on va venir faire la grande pièce centrale ici. On va prendre le coin, d'accord, et on va venir faire 12 blocs en hauteur. Donc là, on a déjà notre premier bloc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs comme ça. On va dans ce sens-là et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Et on revient ici comme ça et comme ça. Hop, voilà, boucher le carré. Bon, c'est pas un carré, mais moi j'appelle ça un carré. Hop, on descend ici jusqu'à arriver à ce niveau-là, vous voyez, à un bloc. Hop, comme ça. Hop. Allez, on va boucher complètement. On va creuser des fenêtres après dans les murs, hein, donc il y a certains blocs que je mets ici que l'on va devoir enlever, mais c'est pas bien gênant, hein, vous inquiétez pas. Hop. Youp, je fais ça vraiment pour simplifier. Hop, ok, donc on a mis les murs ici. On va venir reprendre ce bloc là, on va venir le prolonger sur notre pièce de qu'on a fait tout à l'heure. Et pareil, on va faire un mur, hop, ici. Hop, hop, comme ça, vous voyez, et pareil, ici, là, on rebouche. Hop. Ok, on va venir boucher évidemment le toit quand même parce que sinon, ah, ça marche moins bien. Ok, une fois qu'on a ça du coup, on va venir utiliser les blocs de vitre noire, ok. Et on va venir les blocs de verre noir. On va venir les mettre ici comme ça, autour du trou qu'on avait laissé tout à l'heure. Ok, et on va venir les mettre à 3 blocs de hauteur, comme ça. Hop. Ok, comme ça. Ok. Une fois qu'on a ça, on va venir rajouter les vitres qui vont être les fenêtres plutôt, devrais-je dire, qui vont être dans les murs. Alors du coup, on va venir compter à partir de ce bloc-là, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 blocs, et on fait un trou, paf en dessous, paf, paf, comme ça. Et on va venir prolonger après, hop, notre fenêtre, tout sur le côté ici, comme ça. Et on va venir utiliser les vitres noires, bien sûr, pour pouvoir les combler. Pouf. Ok. Une fois qu'on a ça, on va venir ici. Ok, sur notre bloc à ce niveau-là, on va venir faire un trou jusque à un bloc en dessous du toit. Venir sur le côté ici comme ça, puis sur le côté comme ça. Et descendre ici jusqu'à 3 blocs de marge par rapport au sol. Et évidemment, on met de la vitre noire dedans partout. Hop, 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 hop. Hop, comme ça. On prolonge la vitre noire ici, comme ça, sur le dessous du coup de notre mur ici. Et à ce niveau-là, on va venir faire une ouverture. Paf, 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 paf. Ok. Et on met, hop, 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 de la vitre comme ça. On va prolonger du coup notre vitre ici comme ça, pouf, 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 paf, ok. Et on va venir mettre une dernière vitre à l'arrière là-bas, hop, une dernière fenêtre, hein, je devrais dire à chaque fois, hop, ici à ce moment-là. Vous prenez le coin, vous allez d'un bloc sur le côté, paf, 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 jusqu'au-dessus, paf, 1, 2, 3, ok, voilà. Et on met de la vitre partout, ok. Une fois qu'on a ça, on est plutôt bien. On va venir mettre le sol du coup dans la maison qui va être du coup en andésite poli. Hop. Et on va venir mettre des trous en dessous les vitres qu'on a mis tout à l'heure. Puis après, on va dans ce sens-là. D'accord. Et une fois qu'on a ça, bah, tout l'intérieur ici de la maison jusque là en fait. Jusque hop ici. Hop et ici. Vous voyez tout cet intérieur-là, on va l'enlever et on va mettre de l'andésite poli à la place. Et hop, évidemment, on n'oublie pas de mettre de l'andésite poli sous les fenêtres. Hein. Hop, d'ailleurs, en parlant de fenêtres, j'ai oublié celle-ci, là, la grande, en plein milieu. C'est quand même dommage, c'est la plus grande. Hop, paf, ok. Très bien. Hop, tiens, on en met aussi ici au-dessus, d'ailleurs. On va utiliser directement, des portes, ok, pour venir ici en mettre comme ça, pour accéder à cette pièce.
Ok. Une fois qu'on a ça, on va venir utiliser les détecteurs de jour, donc les panneaux solaires en fait, hein. Ok. Les panneaux solaires, et on va les mettre sur le toit ici et sur le toit là-bas. Ok, on va juste mettre une ligne de panneaux solaires, hein, c'est quelque chose de très très classique. On les met en mode nuit pour que ça ressemble plus à des panneaux solaires. Et on en met ici aussi. Voilà. Comme ça, ça nous fait un petit peu de décoration supplémentaire. On va mettre maintenant les murs en gravier. Pas du tout, pas des murs en gravier, la route en gravier. On va du coup utiliser du gravier. Alors, il est où le gravier? Il est où le gravier? Il est là. Hop. Le gravier, du coup, on va venir devant notre fenêtre ici, comme ça. Vous voyez, devant notre façade. On va venir mettre du gravier sur trois blocs, comme ça, par devant. Trois blocs ici, comme ça, sur le côté aussi. Ok. Et on va venir mettre une petite route en gravier. Alors moi, je la mets en fait jusqu'à la même largeur que la maison ici. Mais en réalité, vous pouvez prolonger votre route en gravier jusqu'à la route en fait. Hein. Ça, c'est pas un problème. Hop, donc on fait un sillon comme ça. Ok. On va venir sur le côté ici. On prolonge notre route sur ce côté-là ici. Hop. Hop, comme ça. On le prolonge jusqu'à être aligné avec le reste de la maison par là. Hop, sur trois blocs de large encore une fois. Et pareil, dans ce sens-là, on va creuser jusqu'à aller jusque-là. Vous voyez donc la forme globale. Ok, toute cette forme-là, on va la remplir de gravier. Hop. Hop. Ok, on va rajouter... un petit peu de route, tu vois, d'ailleurs. Parce qu'on est... Voilà, on a envie, donc on rajoute trois blocs de route, tu vois, comme ça. Hop. Et pareil de ce côté-là de la maison, on va rajouter sur toute cette longueur-là, hop, sur trois blocs de large, toute une petite partie en gravier, juste pour faire joli, il n'y a aucune autre raison. Hop, tu vois, youp. Voilà, c'est tout. On va utiliser du coup maintenant des escaliers en diorite. Hop, paf, comme ça, ok, des escaliers en diorite, et on va venir mettre la piscine en place, ok. On va venir compter à partir de ce bloc-là, 2, 3, 4 blocs, ok. 1, 2, un bloc ici, et hop, on commence à creuser à ce niveau-là. On fait un trou de 2, 3, 4, 5, 6 blocs dans la terre, ici comme ça. Et on prolonge dans ce sens-là sur 19 blocs au total. Là, ça nous fait 1 bloc, 2, 3, 4, 5, 8, 19 blocs, ok. Et on fait une piscine qui a cette forme-là. Hop, hop... Voilà, ok, et donc évidemment dans les trous que l'on vient de faire, on va mettre les escaliers en diorite. Ok, une fois qu'on a ça, évidemment on va creuser dans la piscine, parce que c'est vrai qu'avoir une piscine en terre, c'est pas la montagne du fun, tu vois. Et donc on va utiliser les bétons bleus, les blocs de béton bleu, et on va venir creuser dans le sol, hop, jusqu'à 2 blocs de profondeur. On va mettre, deux blocs de profondeur, c'est bien pour une piscine. Hop, voilà. Donc, une fois qu'on a ça, eh bien, on va enlever toute la terre qui est visible, en fait, vous voyez, en dessous les escaliers et au niveau du sol, ici, comme ça, et on va la remplacer par du béton bleu. Allez, hop. Hop, ok. Une fois qu'on a ça, évidemment, on va rajouter de l'eau. Hop. Parce que, voilà, c'est une piscine, donc c'est quand même plus sympathique. Voilà, est-ce que c'est bon, ça se remplit tout seul? Quasiment, voilà. Ok. Alors, une fois qu'on a ça, l'idée, c'est qu'on va venir prolonger sur le côté ici notre... notre petite terrasse, une petite terrasse comme ça, 1, 2, 3, 4, 2, 4 blocs de large, pourquoi pas. Hop, et on va la mettre... en bloc de sapin, de bois de sapin. Ok, comme ça. Et on va venir utiliser quelques escaliers, tu vois, pour faire des transats. Pouf, pouf, avec des dalles quand même. Hop. Hop, hop, voilà. Une fois qu'on a ça, on va venir mettre un petit chemin pour entrer dans notre maison. On va utiliser pour ça des plaques de pression. Hop, vous voyez, et on va mettre un petit peu d'éclairage autour de notre chemin. On va utiliser pour ça des lanternes de la mer et de la vitre, des blocs de vitre. Hop, on se met en plein milieu ici comme ça,
Voilà, on met des plaques de pression, hop, ici et de l'autre côté de notre petit chemin en gravier. C'est ça que j'aime bien, moi, honnêtement, parce que ça donne un côté design au truc. On voit que c'est un chemin, mais qui s'interrompt le temps de se croiser avec un autre chemin. Je sais pas, moi, c'est, il m'en faut pas grand-chose pour être content. Hein. Alors, du coup, on va creuser de deux blocs dans le sol. Hop, ici. Alors non, on va décaler d'un bloc par rapport au chemin ici, comme ça. Donc ici, 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 et pourquoi pas ici aussi. Hop. Et on va utiliser les blocs de lanterne de la mer, ou de glowstone, ou en réalité de n'importe quel autre bloc qui fait de la lumière. Hein. Évidemment, vous pouvez utiliser n'importe quoi, même une torche si vous voulez. Enfin, quoique non, une torche est moins bien, mais un bloc qui fait de la lumière, peu importe lequel. Hop, vous mettez des blocs de verre par-dessus, et ça vous fait un éclairage, ma foi, fort moderne, fort sympathique. D'accord ? Maintenant, il nous reste le clou du spectacle, comment on dit l'expression ? La goutte d'eau qui fait déborder le gâteau. C'est presque ça, l'expression, je crois. Bref, on va utiliser, du coup, les barrières en chaîne noire. On va venir en mettre ici, vous voyez, sur le côté de notre maison. Et un bloc plus loin, on va en mettre, mais un peu plus haut. Comme ça, par exemple. Voilà, celui-là, on va l'enlever d'un bloc. Et on va venir utiliser les feuilles. Youp. Et ici, on va... Hop. Mettre des feuilles comme ça, de sorte à donner un petit peu de végétation à côté de la maison. On va prolonger ça, on va utiliser les blocs de lanterne aquatique. Et on va venir par derrière la maison en mettre ici, là, sur le côté de la maison. Parce que c'est vrai que ce mur-là, ben, il est un petit peu vide. Donc on va mettre des lanternes ici, comme ça. On va les espacer 2-3 blocs chacune. Ok, comme ça. Et on va venir rajouter des feuilles par-dessus. Hop. Hop, comme ça. On va venir reprendre maintenant nos blocs de barrière de bois, de barrière en bois, en fait. Et on va venir ici, vous voyez, dans notre espèce de petit carré en herbe. Et oui, je sais, vous allez me dire que c'est pas un carré, je sais. Mais c'est, voilà, moi j'appelle ça un carré. Bref, on met des barrières comme ça. Et on va rajouter évidemment des feuilles par-dessus. Hop. Ok, comme ça, histoire de donner un petit peu de végétation, de couleur à la maison. Hop, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste la goutte d'eau qui fait déborder le gâteau, comme on dit. Hop, la grande fougère, et on va venir mettre des grandes fougères, du coup, ici, entre notre fenêtre à ce niveau-là et notre fenêtre ici. Voilà, histoire de donner une petite touche sympathique. Voilà, c'est une toute petite maison qui est très rapide à faire et qui est, ma foi, hyper design, voyez-vous, minimaliste et design. Sur ce, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, de mettre des pouces bleus à la vidéo et on se retrouve la prochaine fois pour un prochain tutoriel. Entre-temps, je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot et à la prochaine!